à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Merci. Bonjour à tous, euh, bienvenue au Festival Vidéosciences, bienvenue à la Cité des Sciences. Euh, Aujourd'hui, ce matin, on va commencer euh, tout doucement euh, avec une, une table ronde sur euh, les le lien entre institutions de culture scientifique et les vidéastes. Euh, donc, euh, bah, je vais faire une petite présentation des intervenants. Quelques questions, euh, on va échanger, puis euh, ensuite surtout n'hésitez pas euh, à poser vos questions ensuite. Il y aura, je pense, quelques personnes qui pourront vous passer le micro. Donc, euh, bah, en guise d'introduction, on a discuté un petit peu avec les intervenants. Je vous fais une petite intro, euh, justement sur, euh, sur ces liens entre institutions et vidéastes, parce que ça commence tout juste. Donc en fait, les, bah, les vidéastes, on l'a vu hier, on l'a vu, enfin vous en connaissez beaucoup, ils sont de plus en plus nombreux. Et de plus en plus suivis, surtout. Pour, pour exemple, Dr. Nosman avec son million d'abonnés assez récemment sur sa chaîne, et euh, les institutions, et aussi les scientifiques qui font de la vulgarisation en général, ils commencent à réagir à cette montée en puissance de, des vidéastes, des youtubeurs, comme on les appelle, euh, parfois par de la méfiance, souvent par de l'intérêt, par des collaborations aussi, peut-être pas encore très nombreuses, on va le voir, pas systématiques. Et on va voir ce matin donc, ce qu'ils bah, ce ce qu peuvent s'apporter, ce que ces différents acteurs, qui sont souvent d'ailleurs parfois les mêmes ou qui, donc, qui cumulent parfois euh, les, les deux casquettes, qu'est-ce qu'ils peuvent s'apporter et euh, comment on peut collaborer donc, euh, ensemble. Donc, euh, bah, avec moi ce matin, euh, juste à côté de moi, Kevin Fauvre, euh, qui est médiateur scientifique et co-créateur de la chaîne Balade Mentale. Euh, il est aussi chargé de projet pour l'association Artem. Donc, qui est basé à Saint-Etienne, j'imagine également, et anciennement chargé du lieu d'exposition de, du centre de sciences La Rotonde à Saint-Etienne. Euh, à côté, Maxime Labat, vidéaste, médiateur scientifique indépendant, qui a notamment travaillé pour l'Université de Nantes, le, le CHU de Nantes, le Muséum de cette ville aussi, le magazine ThinkOvery. Euh, il est co-créateur de l'émission de vulgarisation scientifique LaboCube. Euh, il réalise des émissions de radio avec le Labo des Savoirs aussi, beaucoup de labos avec qui euh, tu proposes aussi les installations urbaines. Tu nous en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Euh, Robin Jamet, médiateur scientifique euh, en mathématiques au Palais de la Découverte, <laughs> euh, par ailleurs membre de Podcast Science qu'on a eu l'occasion de, de découvrir ou de redécouvrir euh, hier. C'est une émission hebdomadaire de vulgarisation des sciences, dans laquelle d'ailleurs un certain nombre d'acteurs de la vulgarisation, des gens qui sont, qui sont ici présents, euh, participent ou, ou sont passés euh, précédemment. Et Jean-Philippe Usan, Directeur de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, maison des maths et de la physique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et de la physique théorique, pardon. Et il construit avec Cédric Villani le futur musée des mathématiques qui ouvrira en 2020. Voilà. Euh, donc, bah, pour commencer, hop. pour être. Euh... Ah oui, moi je me, je me présente aussi, je suis Marion Sabourdi, et euh, oui, c'est parti, et je travaille donc à la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble. CCSTI pour les intimes. <laughs> donc pour commencer, je voulais un petit peu lister avec vous euh, déjà des exemples de collaboration, parce que c'est vrai qu'on parle des liens entre institutions, entre vidéastes, et on n'a pas forcément tout à fait en tête des collaborations, ou alors on pense peut-être à une ou deux, peut-être à celle qu'il y a eu récemment avec le ministère pour la fête de la science. Euh, mais euh, je voulais lister un petit peu avec vous, donc je vais vous laisser parler, mais peut-être les quelques types de collaborations qu'on a déjà vues. Euh, soit peut-être des invitations ou des commandes de la part des, des institutions, vous nous en donnerez quelques exemples. Également, des fois, des reprises de certaines vidéos dans des expositions, euh, des participations à des événements, donc euh, ici, Vidéosciences, mais d'autres également. Et euh, peut-être aussi, Tania nous avait parlé d'animation, donc vraiment des vidéastes invités spécifiquement à animer des, des ateliers. Peut-être que vous avez quelques exemples pour vos propres chaînes ou bien bah, pour, pour vous deux d'accueil de vidéastes à nous proposer. Je vais vous donner. Euh, Allez-y. Comme vous voulez. Ou. Euh, tiens. Je ne sais pas si c'est allumé. Allô? Oui. Euh, donc, euh, les exemples qu'on peut donner pour Balade Mentale, il euh, y en a plusieurs. La première collaboration qui a été faite avec le ministère, c'était pour la fête de la science. On nous avait commandé une vidéo, euh, bah, Maxime aussi, euh, vous a, je vous laisserai parler de ce que vous avez fait, euh, pour parler d'un centre de recherche. Euh, qui... Euh, qui bah, parler d'un centre de recherche pour la fête de la science au mois d'octobre, des grandes infrastructures, des très grandes infrastructures de recherche, <laughs> de recherche exactement. Euh, et l'idée, c'était d'aller dans un. Dans, de nous ouvrir les portes d'un. Centre et de pouvoir euh, filmer là-bas, rencontrer les chercheurs et un peu témoigner de ce qu'on a pu découvrir dans ce centre de recherche. Alors, les conditions ont été différentes euh, en fonction des vidéastes. Euh, nous, on a eu la chance de on va dire d'être défrayé à 100%. On n'a pas dû dépenser d'argent pour aller filmer et, euh, et faire le montage, etc. Mais on n'a pas gagné d'argent avec cette, cette collaboration. Une autre avec l'Université de Nantes, qui est en cours. On va tourner la semaine prochaine dans le labo d'immunologie, où là on a une commande pour une vidéo pour présenter le, le labo et ensuite une soirée pour faire une conférence deux semaines plus tard pour présenter le travail qu'on a fait sur le labo d'immunologie. Euh, des présentations dans des expos, alors là c'est plus à titre gracieux, par exemple le Festival du GIF où on a fait une vidéo pour expliquer qu'est-ce que l'image animée. Euh, qu'est-ce que j'oublie encore Et euh, des relations avec la Rotonde, alors là c'est plus euh, à la fois des, un partenariat sur ce qui va être euh, du prêt de matériel, un prêt de studio, euh, une partie du salaire de euh, Théo, j'allais dire, dire mon compagnon, mais c'est pas forcément. <laughs> Là, voilà, on vous apprend quelque chose. <laughs> non, mais de Théo, euh, la deuxième personne sur la chaîne qui a été pris pendant, euh, <laughs> pendant, euh, pendant six mois, à peu près. Euh, et aussi, une, maintenant que c'est fini, on, on nous a proposé une résidence dans ce même centre de culture scientifique donc pour créer deux vidéos. Euh, j'ai appris ça hier. Donc euh, pour créer deux vidéos euh, autour d'un labo de recherche de l'école des mines de Saint-Etienne et d'une exposition qu'ils ont en ce moment, qui est l'exposition Cloque, que j'ai créée. Donc, c'est un peu... Tout entremêlé. Ok, je pense qu'on va en reparler juste après euh, plus en détail. Merci, Maxime peut-être pour Nantes. Euh, ouais, du coup nous on a une, une première collaboration avec une institution euh, au moment de la sortie de notre toute première vidéo qui était sur les dinosaures à plumes. Euh, où le musée de, de Nantes euh, inaugurait une, une, une exposition sur les dinosaures à plumes dans lequel il y avait peu de, peu de vidéos et peu de, voilà, de choses qui étaient racontées. Vraiment, c'était pas mal de textes et puis les fossiles directement qui étaient, qui étaient incroyables d'ailleurs. Expo qui est à Rennes en ce moment. Qui est à Rennes, est en ça, ce moment. Il oui, y, tout y tout a votre fait. vidéo également à Rennes. Oui, notre vidéo a suivi. Du coup, ils ont repris les, les droits d'exploitation de la vidéo. Donc c'est a posteriori, c'est juste des droits de, de diffusion dans le, dans le musée. On a refait un peu le montage. On a enlevé quelques blagues de cul. On a, on a viré quelques blagues un peu salaces, un peu voilà, qui passaient pas bien. Euh, mais grosso ils ont gardé le, le gros du truc quand même, euh, et parce que notre, gardera, chaîne est, hein notre chaîne est, 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 parle de sujets sérieux, mais, mais, euh, mais voilà un peu, un peu humoristique aussi. Donc il y, y, y a plein de blagues un peu truffées partout. Donc ils nous ont en fait enlevé quelques-unes, mais pas tant. Euh, on a refait le montage, ils l'ont diffusé, et là du coup, l'expo est partie à Rennes. Donc, c'était super parce qu'on n'avait quasiment pas de vue et tout ça. Donc, euh, de la voir directement dans l'espace d'exposition, voilà, on était super fiers, c'était vachement sympa. Euh, D'avoir pris la première vidéo. Euh, ensuite, on a fait une autre collaboration pour, pour euh, l'université de Nantes, euh, qui voulait faire une vidéo pour euh, pousser les étudiants à aller voter aux, aux élections. Euh, le problème, c'est que du coup, si, si tu les incites à voter pour les élections, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Du coup, le, à, à la fac, où est-ce que va aller ton représentant et dans quel truc il va décider. Et c'était assez technique et assez compliqué. Donc, du coup, ils ont fait appel à des gens qui faisaient de la vulgarisation. Et du coup, à la première réunion, c'était tellement compliqué qu'ils ont arrêté de nous l'expliquer en disant Non, bon, en fait, au final, c'est le bordel. Donc, bon, il voilà. fallait réussir à, à les pousser et à expliquer comment les gens allaient voter, sachant qu'eux-mêmes n'étaient pas tellement au courant de ce qui se passait quand ils allaient voter. Donc, du coup, voilà, on leur a fait une vidéo marrante pour, euh, pour essayer de comprendre l'enjeu d'aller voter, quel genre de décision était prise par, les, par cette institution, mais pas comment ça se passait, parce que personne n'avait compris, manifestement, même ceux qui étaient dedans. Voilà, C'est bon, la démocratie, ça peut être très technique et compliqué. Euh, et du coup, on en a refait une après euh, sur le même modèle pour le CHU de Nantes. Euh, et le, donc le CHU, le, le, le gros hôpital du centre de Nantes. Euh, et où là, c'était plus compliqué parce que les, les collaborations qu'on a eues en général, c'est des cartes blanches, c'est le grand luxe qu'on a quand on est vidéaste. Euh, alors que là, ils avaient des enjeux un peu précis, c'était euh, en, en gros le service après-vente des, des hôpitaux, donc euh, le service des plaintes, euh, le droit des patients. Et il fallait faire des petites vidéos sur le droit des patients, donc expliquer un petit peu au personnel soignant. Euh, des fois ils faisait mal le beurre au boulot quoi un petit peu alors que nous on n'est pas de tellement de parties c'était un peu touchy comme, euh, comme truc de com donc là les allers-retours étaient beaucoup plus compliqués c'était beaucoup moins carte blanche il y avait beaucoup plus de, voilà, de, de frilosité un peu du service ce que je comprends hein. il y a une réalité sociale à l'hôpital qui est plus compliquée et du coup on peut pas, on peut pas dire n'importe quoi à des gens qui travaillent euh, voilà donc c'était une commande beaucoup plus, beaucoup plus compliquée et c'était vraiment juste en écriture du coup c'est pas forcément notre chaîne nous on ne publie pas sur notre chaîne c'est des collaborations vraiment euh, voilà pour pour essayer d'écrire avec eux euh, des petits contenus. Euh, et qu'est-ce que j'oublie comme collaboration Donc, On a fait la fête de la science euh, aussi on a tourné dans deux labos. Euh, voilà, nous, ça s'est très bien passé. Et euh, une autre collaboration avec le ministère, où du coup, moi, j'ai organisé à Nantes euh, une soirée qui s'appelait SOS Neurones euh, où il y a eu plusieurs euh, plusieurs vidéastes qui sont venus intervenir dans la, dans la soirée. C'était juste avant le congrès de l'AMSTI, euh, de l'association des musées de culture scientifique et techniques industrielles et, euh, et du coup on a on a organisé euh, voilà une petite soirée où il y a eu cinq intervenants quatre ou cinq intervenants euh, qui sont dus, donc euh, voilà c'était financé par le ministère ça donc euh, voilà les quelques petits exemples qu a, que j'ai en tête ok merci robin ouais euh, alors j'ai pas du tout fait la liste parce que je n'ai pas concerné directement mais je sais qu'il y a plusieurs vidéastes qui sont passés au palais de la découverte pour avoir accès à des manip euh, au palais de la découverte. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a quand même des manips qu'on peut difficilement faire chez soi. Euh, pas que, en maths, on a des manip qu'on peut faire chez soi, mais euh, en, 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 pour, euh, pour l'électrostatique, euh, je ne sais plus combien de milliers de volts ils ont, c'est plus compliqué à faire chez soi. Euh, pour l'électromagnétisme, pareil, une plaque qui l'évite, euh, des choses comme ça. Donc je sais qu'il y, y a des vidéastes qui sont venus filmer, qui du coup ont contacté euh, des médiateurs scientifiques du palais et euh, font des vidéos, soit avec, soit. En tout cas, ils ont au moins discuté. Les, les médiateurs passent à l'écran ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est clair que ça, comme collaboration, c'est. Euh, il n'y en a pas eu tant que ça, mais euh, on, a, on a eu plusieurs contacts et on pense que ça peut, euh, ça peut continuer à arriver régulièrement. Euh, dans les autres exemples, alors, il y a là une exposition, je fais une pub éhontée euh, pour une exposition dont je, je suis responsable scientifique, donc elle est formidable, euh, qui vient d'ouvrir sur le hasard. Euh, et donc, euh, il y a une salle d'exposé au fond de la salle d'exposition. Et des gens ont dit, bah, tiens, puisqu'il n'y aura que quelques exposés par jour, pendant très longtemps elle sera vide, ça serait bien de mettre des vidéos dedans. Et euh, ben, les gens qui avaient pensé ça, avaient pensé ça euh, pensaient plutôt à des trucs institutionnels ou je ne sais où, etc. Moi qui quand même traîne un peu sur Internet, euh, tout ça, j'ai dit non, mais sinon il y a des gens qui font des vidéos bien sur Internet. Donc il y a euh, une vidéo de, de Michael launay, Mick Mat, euh, une vidéo de David Loapre, euh, science étonnante, et une vidéo de Viviane Lalande, bus qui tourne là-bas, qui n'ont pas été faites pour l'expo. C'est moi qui les avais repérées et je leur ai demandé si on pouvait les passer. Et j'ai demandé un montage pour euh, celle de David Loapre qui était euh, trois fois trop longue. Euh, qu'il a fait, rapidement. Euh, euh, donc voilà, et puis, alors c'est pas des vidéos, mais enfin j'en parle quand même, parce que là encore, je, je continue l'autopromo, on a le droit. Euh, on a organisé une émission de podcast science au Palais de la Découverte, et ça je pense que c'est un truc qui peut être plus intéressant, enfin, c'est-à-dire que les vidéos, c'est bien, euh, fait, je pense, d'avoir des, des vidéos qu'on peut faire venir, tout ça, mais là c'est vraiment un truc qui était organisé euh, plus ou moins ensemble, c'était une première, donc c'était largement pas assez, c'était... Au niveau de la com, on n'avait pas fait une com commune et tout ça. C'était euh, bon, tout petit par rapport à ce que ça pourrait être. Mais disons qu'on a fait une émission de podcast science au Palais de la Découverte avec des gens de podcast science et des médiateurs scientifiques du palais. Donc il se trouve que je suis les deux. Donc euh, moi, je ne sais pas où me compter. Mais les autres, au moins, ils ont fait connaissance. Ils ont fait une émission ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent être euh, très intéressantes euh, à avoir en tête. Euh, ça peut être aussi sous forme de vidéo, bien sûr. Mais des, des événements comme ça, euh, je pense que c'est des choses. Enfin, j'anticipe sur la suite, mais euh, quand une expo temporaire ouvre, par exemple, dire on fait venir des gens qui font de la vulgarisation sur Internet, qui du coup ont un sujet, qui du coup ont des médiateurs scientifiques qui savent de quoi ils parlent, euh, et euh, qui peuvent. Euh, voilà, il y a, y a moyen de faire un truc où on se mélange un peu les publics, on se mélange un peu les styles, on se mélange un peu. Parce que c'est clair que l'institutionnel va avoir un côté. Euh, ce que tu dis, on a, on a moins le droit au Black Salas a priori. Encore que, mais, euh, <laughs> encore que, mais euh, voilà, c'est pas forcément le même ton, c'est pas forcément le même public, et, euh, et donc faire des, des événements comme ça, il euh, faudrait qu'on réussisse à le faire pour de vrai, à le faire mieux, mais je pense qu'il y, y a des trucs à creuser là-dedans. Je sais plus c'est autre chose. Bon, c'est bien, on va... De bon, toute façon, on va voir. Oui, je vais être assez court, alors dans ce cas-là. Euh, donc pour nous, la situation est un peu différente, puisqu'on est... Bon, ça dépend, quand je dis nous, c'est un peu compliqué. Donc je vais parler en ouais. tant que, que ma vie à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous voyez à quel point c'est intriqué <laughs> dans mon, es dans mon esprit. Euh, parce que l'Institut d'astrophysique de Paris et la diffusion des connaissances, c'est un peu différent comme relation. Donc euh, quand on a commencé avec Cédric à lancer ce projet de la maison des mathématiques, ça allait aussi en phase avec le fait que... Il euh, y avait euh, une façon différente de faire des séminaires de maths en particulier, et donc une volonté de faire de plus en plus de captation de, de séminaires. Donc, on a lancé une, une chaîne YouTube, on a engagé il y a trois ans maintenant quelqu'un qui s'appelle Quentin Lazzarotto, qui a fait des études de cinéma. Et qui a monté le service audiovisuel de l'Institut. Donc, il a commencé par faire de la captation de séminaires. Donc, ça, il y a une chaîne YouTube pour ceux qui. Ce n'est pas de la vulgarisation du tout. C'est vraiment plutôt suivi. du hardcore. Qui est très, très suivi, quand même. Mais les... qui est très suivi, vidéos. en fait, qui est très suivi et qui a son utilité. Et puis, bien sûr, quand on lance un musée, il y a eu cette nécessité de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait dans le terme de vulgarisation, en termes vidéo Donc, on a commencé par faire des courts-métrages. Un court-métrage sur Lagrange, qui était un 30 minutes. Ensuite, on a fait un documentaire sur Einstein, 52 minutes. Euh, et puis un film sur Patrice Giner qui est, un, qui est un graveur aussi un, un 26 minutes. Là on a en, dans les dans les bacs un, un pour sur Manet et les modèles mathématiques pour pour l'année prochaine. Donc là pour l'instant c'est des productions de l'institut. Donc euh, il est clair qu'on a la chance d'avoir cette personne qui euh, qui vit à l'institut, qui monte le service audiovisuel et qui a fait des études de cinéma. Et ensuite c'est nous qui écrivons, c'est-à-dire que le scénario sur Einstein je l'ai écrit avec jean Eisenstedt qui est historien de la relativité. Donc on avait on avait les compétences. Après c'est vrai qu'on va à l'extérieur aussi d'autres compétences et on a envie d'ouvrir l'institut, donc ça c'est un point important. On a pas mal de relations avec, euh, avec Michael Lonet qui vient régulièrement euh, à l'institut quand on reçoit des classes, donc il, il les reçoit, il fait des activités avec eux. On montre régulièrement certains de ses films, par exemple au cours euh, des fêtes de la science. Et on laisse l'institut aussi pour des gens qui veulent filmer à l'institut. Il y a eu il y a quelques mois Sébastien Carassou qui a une euh, qui lance sa chaîne qui a fait un épisode à la, à la bibliothèque de, de l'institut, donc ça c'est des ça choses se passe, qui... Quelqu'un qui prend les demandes ou ça se fait Oui, on écrit à l'Institut et ça, ça tombe soit sur Quentin, soit sur moi. Et en général, on essaye de voir. Donc, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'à la fin, l'Institut soit remercié comme il faut, mais on vous dit comment il faut faire. Et puis, que techniquement, en termes de, du matériel qu'il va utiliser, des moments où on va tourner, ça soit en phase avec l'activité de l'Institut, mais on trouve toujours une solution. Et donc, c'est assez facile. Et donc, par exemple, on espère, mais ça, ça dépend du calendrier de, de Cédric, faire une émission podcast science à la bibliothèque de, de l'Institut pour, pour vous raconter un peu la l'avis de l'Institut, on espère que ça va se faire dans l'année euh, 2017. Super. Euh, et du coup, alors, justement, on a, on a vraiment balayé pas mal de, de contributions possibles, de collaborations possibles. J'aimerais savoir maintenant, du point de vue des institutions, selon vous, alors vous ne faites peut-être pas forcément, enfin euh, vous les connaissez pas toutes, et euh, voilà, chacune a ses particularités, mais du point de vue des institutions, on dit souvent qu'on a recours à un vidéaste, un ou une vidéaste, parce qu'il a du public, un public qu'on a, qu a du mal à toucher en tant qu'institution. Donc, souvent adolescents, jeunes adultes, des personnes qui viennent peut-être un petit peu moins chez nous. Euh, que, alors, déjà, est-ce que c'est réel Est-ce que euh, vous avez été contacté pour cela, pour votre euh, audience publique Et euh, qu'est-ce qu'un vidéaste peut apporter aussi euh, d'autre à une institution, quelle qu'elle soit Alors, c'est vrai que c'est très large. On a parlé de centres de sciences, on a parlé de musées, de, musée, de voilà, le palais de la découverte. Enfin, tous ont des, des réalités différentes, mais euh, peut-être qu'on peut. Je pense qu'il y a un argument c'est qu'on n'est pas cher. Ou alors on est, oui. on, est, on est gratos, ou en tout cas on essaye de croire qu'on va être gratos. Il faudrait que ça <laughs> arrête d'être un argument, que, je pour pense. qu'il y a un mais... petit peu un premier truc comme ça quand oui, on vient nous mais... voir. C'est vrai. Alors ça c'est ça c'est le mauvais argument. Non mais c'est ouais, vrai, comme, vrai comme comme, faut... euh, comme des classes. Quoi ce que tu dis est Tout à fait vrai. C'est ce qui est dans la tête des gens. Euh, donc ça par exemple c'est une chose où avec Cédric on a lutté dès le départ. Nous tous les gens qui font des choses pour nous sont tous payés. On a décidé de faire ça. Si quelqu'un écrit une musique pour un tout film. Ça tout le monde. Il ouais. y avoir un afflux de. de vidéastes. Ça, ça, ça limite aussi les choses qu'on peut faire, mais ça fait partie, à mon avis, du deal pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que vivre dans un monde où on fait travailler les gens parce qu'ils ont une passion, simplement pour rien du tout, je trouve que pff, voilà, ça suffit. Donc ça c'est important. Alors après euh, la relation avec les, les vidéastes, euh, les youtubeurs, je pense qu'elle elle est, elle est pas facile pour nous parce que d'un certain côté il est clair que les instituts veulent avoir de l'audience, ils veulent casser les barrières. On a un public naturel, les gens qui aiment les maths, les gens qui aiment la physique viennent ré régulièrement dans, tout ce que, dans toutes les activités qu'on fait. Mais ce qu'on aimerait, c'est toucher un public qui va au-delà de ce cercle-là. Et d'un autre côté, quand vous êtes scientifique, vous avez quelque part, un vous, vous aimeriez que le message qui passe soit un peu en accord avec une certaine euh, un certain niveau, une certaine forme. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a une interférence. Parce que euh, si je parle... Laboratoire, vous êtes peut-être une tutelle du CNRS, d'une université, et il y a un moment où ces, ces tutelles-là, eux aussi, font leur communication. Et donc, ils vous mettent des contraintes sur ce que vous pouvez communiquer. Donc là, il y a un problème d'interférence. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que j'aimerais que la collaboration avec les YouTubeurs se fasse d'une façon plus anarchique que ça. C'est-à-dire qu'on vous invite, et nous, on, on essaye que les portes soient ouvertes pour que vous veniez voir ce qui se passe à l'Institut que s'il y a des choses qui vous intéressent, on vous donne des billes d'une certaine façon, on dit voilà, on peut vous mettre en contact avec tel chercheur, et qu'en fait, vous soyez complètement libre de faire vos choses. Parce que je pense qu'il ne faut pas que cette communication-là soit muselée par les, les carcans euh, des grandes institutions, parce qu'ils ont tendance à tout vouloir mettre de façon un peu... Euh, moi, j'appelle ça la... La science, je le disais pour la science mais c'est vrai aussi pour la communication napoléonienne c'est-à-dire en gros vous avez un cadre et ça marche et tout le monde est en ordre il faut que vous restiez Tolstoïen c'est-à-dire complètement anarchique créatif et qu'après il y a des choses qui vont pas marcher il y a des choses qui vont marcher et ça il faut qu'on arrive à se parler c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez dans les instituts on est plusieurs à penser que euh, notre but c'est pas d'être nous devant la caméra parce que finalement on n'a pas euh, voilà on n'est pas aussi bon on n'a pas le même humour on... et puis ça demande beaucoup de travail on n'a pas le temps de faire ça mais il faut qu'on vous donne des éléments pour faire pour passer de l'information qui soit utile. Quand je dis utile, c'est utile en particulier pour moi, j'ai des, des mômes qui sont au lycée, je vois ce qu'ils regardent, donc utile pour eux, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent et que ce qu'ils voient puisse leur servir pour se construire en tant, en tant qu'étudiants et leur donner des vocations, et puis qu'ils soient une, validés en, fait en, en termes de contenu. Et surtout aussi en ce qui se fait dans les laboratoires, que vous, parce qu'en fait, vous voyez des choses qui sortent, mais il y a plein de choses dans les laboratoires que vous ne savez pas qui, qui se font. Et peut-être vous donner ces billes-là pour qu'on on puisse en parler. On allait un peu vite là, c'était qu'est-ce que du coup les vidéastes voilà. peuvent apporter parce ben, Ils que peuvent apporter tout ça. Ils peuvent apporter ce côté anarchique aussi. Ce voilà, c'est ça, il faut la parler d'anarchie, différemment. Ouais. Il faut un peu d'anarchie. Ouais. Et, et ça, c'est important. Et donc de trouver comment on combine l'anarchie avec, le, avec la, la communication plus institutionnelle qui, elle, est, voilà, est plus sur une autoroute. Je vais juste rebondir sur le fait euh, que vous ne devez pas être devant la caméra. Après, euh, vous pouvez être aussi de façon différente devant la caméra. Euh, je donnerai l'exemple de, de, de la vidéo qui va être tournée la semaine prochaine à, à Nantes. Il euh, y aura des chercheurs devant la caméra, mais euh, par exemple, il y en a un qui a accepté de nous casser la gueule. Parce qu'on va, on va, va raconter des trucs, ça ne va pas être forcément vrai. Il y a toute une histoire que Théo a écrite. Et, euh, et voilà, on va avoir un chercheur qui, va nous, qui, qui fait des arts martiaux et qui, qui, va, qui va vraiment nous casser la gueule. Et euh, voilà, donc il est devant la caméra et ça montre aussi bah, que c'est une personne normale qui, qui, qui fait autre chose aussi. Et c'est aussi important de montrer ce visage-là de la recherche. Dans l'écotron, on l'avait fait, la, la vidéo qu'on avait fait au centre de recherche de Montpellier pour la fête de la science, on l'avait fait un petit peu décalée. Là, on pouvait écouter les musiques que les chercheurs écoutent quand ils travaillent. Euh, c'était moins, moins... rentre-dedans, mais c'était aussi ah, une façon de montrer que euh, voilà, c'était des, gens, des et... gens et que... Et qui sont accessibles et qui sont aussi sympathiques et qui se font pas voilà et je pense c'est assez important de montrer ce visage-là et donc pour montrer ce visage-là il faut aussi montrer les chercheurs mais pas forcément comme je disais hier assis avec un faux joli fond de blanc et un petit bandeau en bas des peut-être des compétences aussi alors sans, sans parler forcément d'un tournage ou d'un moment de tournage mais des compétences euh, peut-être en termes d'écriture de, de ton est-ce que est-ce que les vidéastes ont déjà aidé des chercheurs à écrire euh, un scénario ou à faire euh, en sortant vraiment de, de l'idée de tournage d'une vidéo, est-ce que ça va vous arriver C'est là je suis, je suis en train de le faire pour un énorme dossier de l'Ifremer qui, euh, qui a fait appel à, à une boîte de com parce qu'ils euh, voulaient euh, rendre public le résultat de leurs recherches qui ont duré très longtemps sur euh, tout un, un état des lieux du littoral. C'est euh, énorme, tu as en même temps des géologues, des personnes qui travaillent vraiment sur la mer, sur les espèces euh, vivantes, mais euh, voilà, aussi sur, euh, sur les liens entre l'agriculture. Enfin, voilà, un truc hyper complet, hyper... Euh Énorme, et du coup, pour réussir à le transmettre, soit on fait un bouquin énorme que personne ne va lire et qu'on va poser sur une étagère, euh, soit eux, ils ont fait appel à une, à une boîte de communication pour euh, essayer de faire des petites vidéos et de faire un site internet dans lequel, euh, sur les vidéos, on te demande de faire un choix, et au fur et à mesure, tu passes dans l'arborescence, et du coup, suivant les choix que tu prends, ça t'amène à d'autres vidéos qui t'amènent à d'autres vidéos. Et du coup, pour l'écriture de, de ce truc-là, la boîte de com' qui le fait euh, a fait appel à moi pour qu'on soit ensemble dans les ateliers créatifs. Et pour qu il y ait vraiment, euh, que le sujet scientifique soit vraiment traité et qu'il soit traité d'une manière, enfin, voilà, en même temps pertinente mais en même temps marrante et qui allait avec, ils avaient vraiment envie de délirer. Les chercheurs étaient hyper en demande. Euh, et et c'est juste qu'eux, ils, ils, ils sont nés dans, dans leur guidon, donc ils n'ont pas forcément l'idée, donc euh, de, de leur balancer plein de trucs comme ça en étant de l'extérieur. C'est un peu le, le, le regard extérieur en fait qu'on qu peut faire dans ces situations-là, et d'avoir quand même une base scientifique, c'est important parce que sinon on a vite fait de rater le, le point qui est important, le point qui doit faire passer. Donc, euh, je pense que ça c'est un de nos, nos savoir-faire qui est difficile à mettre en avant quand on est médiateur scientifique, c'est de savoir où est le point intéressant de l'état de l'art, quoi. Pas, pas de taper juste à côté sur un truc qui finalement est anecdotique quoi. Et Comment pas... ça difficile à mettre en avant c'était intéressant parce que je pense que ça il y a un lien entre médiateur classique face publique et vidéaste là dessus savoir mettre le point là où là où c'est important c'est bah, les... C'est quelque chose qui, vous re... qui rejoint les médiateurs et les vidéastes Oui, les, les, les boîtes de, de communication, je pense, qu'ils sont vidéastes et qui peuvent de temps en temps traiter la science. Euh, pour tous les gens qui, qui connaissent bien un sujet, je sais pas, par exemple pour, pour les dinosaures, euh, s'il euh, y a des gens qui font des vidéos une fois de temps en temps sur les dinosaures qui ne sont vraiment pas particulièrement passionnés de science, on se rend compte qu'ils ne vont pas forcément parler du sujet qui scientifiquement est le plus incroyable et le plus... Et je pense que nous, notre expertise, c'est ça, c'est de réussir à être à mi-chemin entre des, des enjeux de, de communication, de partage des connaissances, et tout ça, et en même temps une justesse avec l'état de l'art, mais en même temps une justesse dans les, aussi dans les références, dans les trucs qu'on va aller vers le public. C'est vraiment cet entre-deux de réussir à se dire, euh, je ne trahis pas la parole du chercheur, mais en même temps, euh, je vais aller chercher vraiment les, les publics là où ils sont, avec les références qu'ils ont, avec le vocabulaire qu'ils ont. Avec, euh, mais ce n'est pas encore assez valorisé selon toi. On voit trop les vidéastes comme étant justement anarchiques, comme venant euh, bousculer le... La hiérarchie, mais sans avoir ce recul, cette expertise, de voilà savoir euh, sur un thème précis, être pertinent, tout en étant drôle, en faisant des blagues. C etc. Ce qui est très difficile aussi, c'est qu'on on, on a des profils extrêmement différents C'est ça qui est vachement bien, et c'est le côté anarchique justement, et est génial de, de ça, c'est que suivant la personne que vous allez prendre pour euh, faire une collab, c'est vraiment un individu qu'on prend. C'est pas, est pas un vidéaste qui a. Enfin, on n'est pas encore tellement formaté. Et du coup, il y a, a l'existence d'une variété de formats et surtout une variété de, de profils, des gens qui sont qui ont envie d'être professionnels, des gens qui ne le sont pas, des gens qui sont professionnels d'autres choses mais qui font ça en plus et qui des fois ça peut marcher. Je pense que c'est vraiment des rencontres de un à un et c'est je trouve que c'était c'était vachement ce que tu disais euh, de réussir à imaginer plein de petites collaborations un par un sur des projets différents, à toujours réimaginer la forme et tout ça. Ça peut ça peut être vraiment intéressant mais du moment qu'il y a l'envie quoi. Et, et je pense que dans le monde de la recherche il y a plein d'esprits libres super. Voilà ils sont, ils sont vachement plus enclins à déconner en fait que, que que ce qu'on pourrait croire quand ils sont dans l'institution, forcément, ils ne peuvent pas, c'est plus difficile, mais... Oui, je pense que c'est important, et euh, quand tu demandes ce que ça peut apporter, des collaborations comme ça, il euh, y a la liberté, il y a la légèreté, il y a le... Enfin, euh, pour travailler dans une institution, dans un établissement qui est très gros, euh, puisque le Palais de la Découverte, c'est pas trop gros, mais maintenant, c'est le même établissement que ici, la Cité des Sciences, et donc... Très très gros. Euh, on voit que euh, on peut avoir une super idée, genre ouais on va faire une vidéo sur tel sujet, par exemple. Euh, ça va être très long, très compliqué de dire euh, qu'il faut le faire, de dire comment il faut le faire, de dire de garder son idée et puis que ça passe par le service qui s'occupe des vidéos et qui va pas vouloir faire. Et, et l'aspect institutionnel peut avoir du bon, mais peut, voilà, c'est très lourd, c'est très gros. C'est très vite très gros et très lourd, un truc comme ça. Et effectivement, il faut se surveiller, il ne faut pas dire n'importe quoi, tout ça. Euh, J'attends d'ailleurs le moment où je vais me. Ça, ça a déjà commencé, en fait, où je me fais engueuler pour des activités que je fais hors cadre professionnel. Mais n'empêche que ça a un lien avec le cadre professionnel, parce qu'à partir du moment où, en tant que médiateur scientifique, même si je suis en off, je m'exprime sur un sujet euh, sur Internet. Ben, c'est compliqué. <laughs> euh, -ce Qu'est-ce Qu qui... Qu -ce qui est en train de parler euh, bah, C'est compliqué, en fait, de faire les deux. Euh, pas... J'attends le moment où je vais m'en prendre une. Franchement. Ouais, je fais un petit coucou aux gens de la casemate aussi, parce que normalement, je suis là en week-end et, euh, voilà, et je prends leur casquette. Euh... Exactement. Et là, par exemple, moi, je ça suis que, euh... en train de travailler au Palais de la Découverte actuellement. Donc, vous ne m'avez pas vu. Mais euh, j'ai prévenu personne. Et c'est clair que... Euh, bon, c'est en quoi. live. Hein. Euh, oui, je sais. <laughs> mais euh... non, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, plus sérieusement, en dehors des horaires et tout, ça, ça, ça va je pense que ça, il n'y a pas trop de problème, mais euh, sur, sur le, le ton et sur le style, et sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on ne qu peut pas dire, un, un, je pense que c'est un réel problème. Et il y, y a cet aspect. Et donc, euh, ce que peuvent apporter des gens, c'est aussi de pouvoir dire des choses. Euh, voilà, on peut dire, tiens, il y aura un truc intéressant à faire là-dessus, puis peut-être Peut-être justement on n'est pas devant la caméra à ce moment-là. Euh, et, euh, et, et puis je pense oui, cette légèreté et cette possibilité de faire des expériences, cette possibilité de tenter un truc. Euh, S'il avait fallu, dans le cadre de l'établissement, mettre en place une émission de radio, euh, dans dix ans on y est encore et on n'a pas réussi. Euh, là on l'a fait parce que bah, Podcast Science a l'habitude de faire des émissions de radio et donc euh, est venu sur place. Et je pense que pour les vidéastes c'est la même chose. Ils ont quand même un certain nombre de trucs en place quel que soit leur style, quel que soit leur cadre à eux, etc. Et, euh, et ils amènent, voilà. Après, il faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas euh, un prolétariat euh, esclavagisé euh, où on dit, tiens, ça serait cool d'avoir un truc fun, tu veux bien, euh, on est le palais de la découverte, ça va faire bien sur ta carte de visite, parce que ça, ça voilà, je pense qu'il faut être très, très attentif à ne pas tomber là-dedans. Donc, donc je suis d'accord avec vous. Je vais juste rajouter un point sur ces histoires de collaboration, parce que tu, je pense que tu touches le point qui est le point difficile pour les chercheurs, c'est que vous êtes, on est tous des individus et on a plusieurs facettes. Il est clair qu'une partie de ma vie, moi je suis chercheur au CNRS et quelque part j'ai un devoir déontologique par rapport à ce que je vais raconter. Je ne peux pas faire le clown partout parce que en fait, si je vais et que je fais le clown, on sait très bien comment ça va être. Si on commence à dire ah, un chercheur du CNRS raconte la nana, et en fait c'est labellisé comme ce savoir est labellisé par un chercheur a ouvert sa bouche pour dire ça. Et donc la difficulté c'est quand vous vous exprimez, en quels termes vous vous exprimez Qui est-ce que vous êtes quand vous vous exprimez Moi je travaille beaucoup avec des artistes plus qu'avec des vidéastes. Et il est vrai que ça pose à chaque fois un problème de savoir est-ce que je dois marquer que où je travaille, ce que je fais. Parce qu'il y a toujours un moment, si, euh, si je suis dans une fiction, je vais raconter des choses qui sont fictionnelles, il y a des gens qui vont prendre ça comme du savoir vrai, scientifique, alors qu'on est dans, plutôt dans du Lovecraft ou je ne sais pas quoi. Parce que euh, vous êtes labellisé, vous avez un tampon. Et je pense que c'est là aussi où vous pouvez nous aider. C'est-à-dire que quand je dis ne pas être devant la caméra, ce n'est pas un problème d'être devant la caméra, d'interviewer, mais au moment où tu vas, tu t'exprimes en tant qu'une personne. Vous, vous avez la possibilité de dire des choses décalées que malheureusement, nous, on ne peut pas dire parce qu'on sait qu'il y a un risque que ça que ça dérape et, et il faut qu'on fasse très attention à ça parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où il y, y a beaucoup de, de choses qui sont affirmées qui sont véhiculées et en particulier sur internet et la pente entre ce qui est quelque chose qui est établi quelque chose qui va qui est euh, qui est spéculatif et où ça peut mener en termes de théorie du complot ce genre de choses en fait est très très fine et on a tous un devoir par rapport à ça et c'est là où en fait l'échange entre nous peut être peut être très très important on peut vous aider à, à avoir le bon cadre à avoir les choses qui sont validées d'une certaine façon et vous, vous pouvez avoir la façon de, de toucher des, des publics que nous, on touchera jamais. Aller toucher les jeunes ados, ce n'est pas possible pour nous, en fait. Je pense que déjà, dans leur imaginaire, dans leur inconscient, euh, si c'est un prof qui parle, si c'est un chercheur qui parle, il y a une barrière. Vous, vous avez un style différent. Euh, vous, vous exprimez aussi avec leur code, parce qu'il y a une question générationnelle. Hein. Si, euh, quand on a des, 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 des jeunes lycéens ou des, des jeunes euh, d'une vingtaine d'années qui commencent à faire des vidéos, ils ne s'expriment pas comme nous en termes de codes, de références culturelles, de musique. Ils n'ont pas les mêmes codes. Donc on a besoin de ça, parce que c'est ça le... L'amorce en fait pour commencer à ouvrir la tête de quelqu'un et lui faire entrer les bonnes idées. et ensuite on travaille ensemble parce que le but finalement c'est de faire avancer la connaissance et de faire que cette société en tant que société soit une meilleure société. Donc euh, moi les youtubeurs, je les vois vraiment plutôt comme une aide, il faut qu'on qu arrive à se, à se coordonner les uns avec les autres. L'astuce peut-être pour les vidéastes, c'est de repérer des, des chercheurs d'une part ou des médiateurs dans une structure qui ont envie de faire des choses. Et de, et de traiter directement avec ces personnes-là qui se démèneront finalement dans l'institution pour, pour réussir à voilà, récolter de l'argent, un budget, ah oui. plutôt que de s'adresser comme ça de manière euh, enfin, à, à l'institution. Ça, c'est le point important. J'ai fait beaucoup de choses depuis, que ce soit en écriture ou avec des artistes ou avec des vidéastes ne jamais passer par l'institution pour commencer. Vous rencontrez un chercheur qui est sympa, vous allez boire, vous il faut le séduire d'une certaine façon, il faut ouvrir un imaginaire, il faut, faut s'intéresser, en fait, faut il faut qu'il y ait une double séduction et il faut que vous ayez envie de travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, en interne, vous allez monter des projets, peut-être vous allez obtenir des financements, peut-être vous allez obtenir des labels. Si vous passez par l'institution, va, il va y avoir un comité qui va se réunir pour savoir si c'est bien de le faire ou pas. Ça va discuter pendant des plombes, ça va jamais aboutir, comme tu le disais. Et surtout, il y a plein de gens qui vont donner leur avis donc en fait votre vous allez arriver à un consensus mou vous allez plus avoir d'identité travaillez avec une personne faites quelque chose montrez-le et ensuite les gens vont dire ah c'est bien mais il euh, y en a un qui critiqueront qui vous diront c'est nul que c'est de la prostitution ça on entend tout ça c'est moi j'ai tout entendu mais c'est pas grave le principal c'est que vous fassiez quelque chose dont vous soyez fier mais commencez par une relation humaine et produisez quelque chose ensuite les institutions vous trouverez toujours des gens qui vont trouver ça bien il y en a qui critiqueront mais si vous commencez par taper l'institution ça ça passera jamais ils vont vouloir mettre leur code leur cadre et vous aurez plus votre liberté d'expression donc ça c'est important allez voir les gens les chercheurs comme tu disais sont des gens normaux si on leur envoie un email ou en général ils répondent si on leur demande de... ou en général si on leur demande de l'information ont... des choses comme ça ils sont ils sont toujours non mais oui. c'est des gens normaux ils aiment parler de ce qu'ils font ils passent leur vie dans leur bureau à faire des trucs s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'ils font ils ont envie d'en parler c'est sûr voilà. Donc, si vous commencez à parler avec eux, ils vont vous... et puis après ils vont vous présenter des étudiants, des collègues, tout ça, et vous allez pouvoir créer votre votre outil en travaillant avec eux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. C'est vraiment du terrain euh, et c'est de la rencontre humaine avant tout. Et ensuite le reste le reste suivra. Donc, Kevin va parler juste. On prendra la question juste après, du coup. C'était juste pour revenir sur quelque chose qui s'est dit il y a au moins 15 minutes, euh, la différence oui, oui. entre médiateur et vidéaste. Et pour moi, en fait, il n'y a pas de différence. Un vidéaste est un médiateur qui utilise un média de vidéos. Mais un, un vidéaste reste un médiateur. Moi, je ne vois pas de différence entre ce que je fais quand je suis payé. Je suis médiateur dans un dans une asso et ce que je fais quand je ne suis pas payé. Je fais des vidéos sur Internet. Mais c'est la même chose en fait. C'est les mêmes compétences qui sont nécessaires. C'est euh, juste que j'utilise un nouveau média. Donc les compétences qui peuvent être apportées, c'est l'utilisation de, de ce nouveau média et la connaissance en fin de compte de, de, ce, nou de ce nouveau média. Euh, L'apprentissage de YouTube, en fin de compte, passer un an et demi sur YouTube, on comprend comment ça marche, etc. J'ai peut-être fait une, une différence par rapport à ceux qui s'y lancent et qui, y vont, et qui vont dans les réseaux, qui postent, qui, qui filment et qui se lancent finalement, et les médiateurs euh, qui n'auront euh, pas pris ce pas-là, qui ne regarderont pas vraiment les, les vidéos et, et qui euh, parfois se disent euh, « moi je suis médiateur face public, je veux rester face à du public, je ne veux pas voilà, me filmer euh, ». On en avait parlé avec, euh, avec le Palais aussi, euh, l'idée de... D'adapter son discours euh, au public qui se sentirait peut-être euh, figé dans un format vidéo. Et donc j'ai fait cette différence entre mmh. ceux qui sont aussi médiateurs mais qui utilisent le format et ceux qui font le choix de ne pas le faire. Donc peut-être ah, oui, que oui, ça a oui. été mal bon, compris. Oui, mais ouais, c est, c est la, je c'est juste la exprimée. C'est juste plein de ramifications, mais c'est vrai que dans la globalité, je pense que c'est le même métier en fin de compte. C'est vraiment le. Il y a des compétences qui sont différentes. Comme je te disais quand on l'a préparé, s'adapter au public, une des... on en parlera peut-être après, mais c'est une des énormes différences. Et c'est ce qui est très frustrant dans la vidéo, c'est qu'on fait une vidéo et qu'elle bah, elle va jamais être adaptée à tout le monde. Tandis que moi, quand j'anime une expo... Elle va être forcément adaptée à la personne que je vais avoir en face. Et même, on va dire, elle va être adaptée aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Mais même en fonction de la classe, en fonction de la personne dans la classe qui est en face de moi, je ne vais pas parler de la même façon. Et euh, c'est un plus qu'on a face publique. Mais ça reste quand même, je pense, le même métier. Et sur le fait de. Je ne suis pas sûr, j'ai un peu de fièvre, donc je ne suis pas sûr des fois de bien comprendre. Mais sur le fait que les chercheurs, euh, s'ils disent quelque chose, tu disais. Que Comment dire Ils ont, ils peuvent pas se permettre de dire des choses un peu fausses parce qu'on va prendre leurs paroles comme des réalités et que les. Je suis pas sûr c'était ça, mais en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est qu'un, un, 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 animateur, un médiateur, un vidéaste, il a aussi cette, cette, cette ce, on va dire ce poids-là. Moi, les petits, je leur parle de créationnisme lundi, ils me croient tous durs comme fer parce que, bah, je, pour eux, même si je leur répète que je ne suis pas scientifique, je suis scientifique pour ma famille, je suis scientifique, mais je le suis pas. Je leur dis que je ne suis pas, mais pour eux, je le suis. Et donc, quand je parle de science, c'est vrai ce que je raconte. Et c'est vrai qu'il y a ce poids-là qu'il qui qu faut y faire attention. On a, on a ce choix, peut-être pas d'avoir de trucs de com' derrière qui nous disent attention, attention de ne pas faire de blagues. Mais euh, il y a quand même ce poids qui peut être dangereux, bah, dangereux difficile et qu'il faut bien prendre en considération quand on fait ce métier. Oui. On va ouais, juste prendre ouais, mais... la question. Euh, oui, alors, ce n'est pas tellement une question, en fait, c'est euh, je veux partager mon expérience. Donc. Euh... Moi, depuis quelques mois, je, je travaille. À, je suis embauché par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc une université euh, en Suisse, et euh, plus exactement par le département d'informatique euh, là-bas. Et euh, ils m'ont embauché en gros pour faire des vidéos, et notamment depuis quelques mois, on travaille sur des vidéos de, de, de vulgarisation donc sur une chaîne qui s'appelle Zettabytes euh, en anglais. Et euh, l'idée, c'est euh, je vais interviewer des, des professeurs. Les professeurs adorent parler. Euh, je suis à 100% d'accord avec Jean-Philippe Usan Et en plus, ils ont aussi Très peur de dire des bêtises, mais c'est incroyable par, par rapport à un vulgarisateur, ils, ils vont pas s'aventurer. Donc notamment, euh, en ce moment, je travaille sur une vidéo que ça, euh, sur le Bitcoin. Il y a énormément de choses à dire sur le Bitcoin, et dès qu'on, il enfin, y a des choses à la fois informatiques très très rigoureuses et très passionnantes à dire. Il y a d'autres trucs euh, plus sur est-ce que c'est une monnaie des choses comme ça. Et euh, les professeurs n'osent pas s'aventurer sur ce genre de questions. Ils ont, ils ont extrêmement peur. Alors que ce sont les questions euh, qui attire le public. Enfin, euh, ce sont des questions très intéressantes. Et donc, euh, ce qu'on a mis en place, c'est que je, je vais interviewer euh, les professeurs et puis euh, je, je, je me mets, je me filme face cam, euh, à faire des transitions entre différents bouts d'interview où là, je peux aborder où je, je, je me sens plus, fin, plus, enfin, je me sens plus capable de parler de trucs qui sont potentiellement euh, faux dans le sens où il voilà, y, a, y a le professeur qui dit les trucs vrais, et puis moi je suis là pour, euh, pour faciliter les trucs, ajouter quelques trucs intéressants, des trucs que, que je pense vrais, mais qui sont moins euh, véritablement vrais, <laughs> on va dire. Donc, voilà, donc je pense que c'est une initiative euh, intéressante et qui pourrait, être, euh, voilà, qui pourrait inspirer d'autres dire Moins vrai, c'est qu'il n'y a, a pas de démonstration c'est ça, pas mathématiquement démontrable. Hier, on a parlé de sciences réelles et de sciences fausses, je crois. Mais c'est super intéressant parce que euh, je, je pense que les, les chercheurs, quand ils ont leur casquette de chercheur et qui représentent une institution, euh, ils, ils ont vraiment une manière d'aborder les sujets et une légitimité à apporter certains sujets. Et des fois, ils n'ont pas de légitimité à apporter des sujets. Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait eu le même problème au début du siècle avec Wittgenstein, où, où au final les, les les sujets les plus importants des fois ne peuvent pas être traités intégralement. Euh, par la science et les vraies questions qu'on se pose sur l'implication sociétale, notamment sur est ce que c'est intéressant, est-ce que ça n'est pas, à quel niveau c'est pertinent ou pas, qu'est-ce qu que, qu que ça nous fait, nous personnellement, en tant qu'être humain, d'avoir de, de, des, des connaissances, notamment sur l'astronomie, sur qu qu'est-ce qu que, tu vois, ontologiquement, ça peut te faire, philosophiquement, de, de connaître certaines, certaines informations scientifiques. Un chercheur ne va pas aller dans ce terrain-là. Parce que c'est trop personnel, c'est des fois c'est trop intime, ou des fois au contraire c'est trop politique, ou c'est trop. Et du coup, quand il a la casquette de chercheur, il ne va pas y aller. Et c'est dommage parce que le plus gros de l'échange et le le plus important est celui qu'on doit avoir maintenant. En plus, celui qu'on doit vraiment avoir maintenant, où on est on est vraiment à un moment de charnière, de transition, et où tout le monde a ces questions-là en tête. Au final, les chercheurs ne ne viennent pas apporter des trucs là-dessus, alors que les gens d'internet, dans, dans la petite anarchie d'internet, eux se permettent de le faire et sans aucun scrupule quoi. Et, et c'est c'est hyper justif, parce que tu sais d'où parle la personne, donc tu prends pour ce que c'est. Ce n'est pas parce qu'il t'explique un truc politique que c'est forcément la vérité incarnée, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux voilà, Mais, mais c'est toujours intéressant. Et il se passe vraiment quelque chose qui, qui malheureusement, dans l'institution, se fait écraser, se fait étouffer, alors que c'est la part la plus belle et la plus intéressante. Euh, alors, je ne sais pas si ça existe quand même dans les institutions. Enfin, oui nous cas, on le fait... médiateurs on... scientifiques, ce pas chercheur. et je pense que qu'effectivement, on peut. Euh, C'était juste pour réagir, juste très très court. Quand tu dis on sait d'où la personne parle, tu sais d'où la personne parle. Je pense que ça, c'est un des. Mais bon, ce n'est pas, pas vraiment complètement directement le sujet. Mais euh, quand on regarde une vidéo sur Internet, il euh, faut déjà un certain bagage pour savoir un petit peu quel crédit lui accorder, je crois. Il y, y a eu une grosse discussion aussi sur, euh, au niveau des sources. J'ai la sensation qu'il les... y a eu d'ailleurs un gros débat sur Twitter euh, par euh, commentaire interposé sur la question des sources chez les vidéastes. Il y a eu une vidéo de la vidéothèque d'Alexandrie aussi. On va peut-être pouvoir parler de la... Ça, enfin, disons, je pense que ça peut être aussi ce que l'institution peut apporter, parce qu'on a voilà, parlé dans un sens. Exactement. La validation, euh, les sources, le... tout ça... Clairement, euh, le fait qu'une vidéo d'un vidéaste YouTube soit dans une institution, euh, ça permet éventuellement à des gens qui ne savent pas se faire d'idées de se dire... Bon, après, euh, les institutions peuvent dire des conneries, hein, mais euh, peuvent, peuvent se planter. Mais enfin, euh, ça donne un certain crédit à la, à la personne qui a fait cette vidéo-là. Ouais, D'ailleurs, on, on, on a bien vu qu'il y a des vidéastes qui ont cherché à avoir des, des soutiens d'institutions euh, et c'est un, un problème pour les institutions, c'est-à-dire que si, euh, si on dit euh, la personne qui, qui a fait cette vidéo-là, ça y est, on met le tampon, et maintenant, si la personne s'en sert en disant euh, j'ai la validation du Palais de la découverte et tout ce que je dis, euh, c'est euh, aussi justifié que tout ce qui se dit au Palais de la découverte, ça peut être un problème. Voilà, ouais, c'est ma, ma question du coup, parce qu'on euh, peut choisir une, deux, trois, même plein de vidéos d'un vidéaste, et puis euh, pour X raison, il, il décide de changer un peu de voix, de parler d'autres choses, et, et il continue avec cette. Validation, Enfin, après le crédit qu'on y apporte, c'est ça qui importe, c'est ce que le, le public apporte comme crédit, ça reste. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour certains chercheurs qui font des choses très très bien et qui s'expriment sur des sujets où ils sont complètement incompétents. D'accord. Donc les, ça, les ça, 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 je pense que ça dépasse le débat, le débat complètement ouais. de la vidéo. C'est vrai pour les livres. Dans un livre, vous vous documentez. Quand j'écris un livre, je ne suis pas spécialiste de tout ce que j'écris. J'ai un point de vue parce que ma recherche m'a amené à une certaine réflexion. Et puis après, je cite des bouquins de philo, je cite des trucs et je vais discuter avec des, co des collègues qui sont de la philo. Et je, je prends, je grappille à droite, à gauche pour créer tout l'environnement par rapport à un propos que je veux donner pour lui donner corps. Vous faites la même chose et là, dans ce cas-là, on fait la même démarche. Le seul truc, c'est vrai que dans ce cas-là... Moi, c'est un peu mon éducation. Je vais citer toutes mes sources parce que quelque part on m'a appris ça. Ça fait partie de ma déontologie. Après vous, le cadre est un peu différent et je pense que ça, il va falloir qu'on s'adapte sur la façon dont on cite les sources, dont on arrive à faire comprendre aux gens que cette information quelque part, elle a un crédit, elle est validée. Et ça, faut trouver une forme. Je pense que ça n'existe pas encore. Et après, quand vous écoutez quelqu'un, et ça, je pense que c'est l'éducation que nous on doit faire passer aux jeunes, ils sont confrontés à des documents. Je peux prendre un bouquin d'un grand scientifique qui va commencer à me parler de quelque chose sur le climat, alors que c'est pas son sujet. Est-ce que vous lui donnez le crédit du fait que c'est un chercheur en CNRS, un prof d'université, ou, ou pas, alors qu'il est incompétent sur sujet Et aujourd'hui, franchement, le nombre de gens vous entendez parler qui parlent de choses sur lesquelles ils sont incompétents fleurit. Je, je, je sais. Claude non, Allègre. non, non, mais euh, Alex, c'est un cas, mais il y en a plein, il y en a plein. D'accord. Et, euh, et les gens se mettent entre guillemets. Vous avez les titres que vous avez, les titres universitaires. Vous êtes docteur, mais après vous avez des gens qui sont euh, qui sont physiciens, qui sont philosophes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas qu'ils ont un diplôme. On en avait, on en a parlé tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire si je dis bah, biologiste, moi philosophe Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous imaginez Est-ce que ça fait que vous donnez un crédit à cette chose-là et je pense que c'est important, parce que, quelque part, les gens, au départ, simplement, vont écouter votre parole de façon différente, et quand je dis les gens, euh, le public, c'est une chose, mais aussi les journalistes. Et vous voyez beaucoup de dérives, et c'est là où je pense qu'individuellement, on a quelque chose de très important, déontologiquement, à avoir conscience. Je pense qu'il y aura une table ronde cet après-midi hein, sur les, les questions de sources, de dérives. Je n'ai pas le titre euh, ici, mais euh, avec la tronche en biais euh, qui intervient cet après-midi, on pourra aller plus loin. Et juste avant qu'il y ait la question de je voulais juste réagir là-dessus parce que le, le, le tampon d'une université ou d'une institution sur des vidéos sur YouTube. Personnellement, j'ai peur que ce soit un peu contre-productif en fait. Et que on, on a vraiment un... et, et, et je trouve que c'est normal, c'est qu'on on est des générations qui avons grandi avec de la communication, et de la communication des fois extrêmement fallacieuse, et même de la part de, de, des institutions, parce que finalement les institutions disent des choses très contradictoires les unes avec les autres, suivant quel institut de recherche est en train de parler. Il défend des sujets qui sont en opposition avec certains autres sujets de recherche. Euh, et qui ont des projets de société du coup, complètement différents. Complètement. Et, et c'est toujours assez orienté, bien sûr, la communication d'une institution est orientée suivant ses propres euh, voilà, intérêts. Et, euh, et on sait décoder ça. Et du coup, euh, maintenant, quand on, est, quand on a un message qui est déjà un peu euh, un, enfin, voilà, produit par une institution, même quand c'est l'éducation nationale, qui a certains objectifs de réussite, de machin, qui ne sont pas pour toi, élève, on veut que tu réussisses. Non, c'est dans leurs statistiques de combien d'ingénieurs il faut produire, de machin. C est, c est, c est, ils, ont, ils font une communication à des fins précises. Et du coup, nous, on essaye de se de se défendre avec ça en se disant ok je sais que tu veux me faire faire ça ou tu veux que je pense ça je vais quand même essayer de penser par moi-même et je vais quand même et, et, et sur YouTube du coup c'est pour ça aussi que les théories du complot et tout machin sont aussi immensissimes c'est que il y a une certaine forme de violence de la part de l'institution à toujours vouloir remettre dans la case remettre le tampon remettre le et que et que du coup vu qu'on n'a jamais les, les personnes de ces institutions en plus qui sont capables de parler librement et tout ça il y a un côté fantasmatique parce qu'on voit bien que quand ils nous parlent, ils sont bizarres. Enfin, qui qu se, qu se mettent une casquette bizarre, qu'ils ne s'expriment pas comme des êtres humains. Ils sont bizarres. Et, et, et du coup, on peut douter un peu. Enfin, c'est normal qu'on qu mette une espèce, une espèce de distance un petit peu. Alors que quand quelqu'un nous parle, parce que c'est sa vidéo qu'il a fait comme ça, bien sûr qu'il peut dire des conneries, ça on le sait. Mais par contre, on sait qu'il est sincère. Et du coup, dans la, le type de communication, c est, c est, je pense qu'il y a vraiment un positionnement qui, qui fait. Et je me dis que c'est très très bien qu'il y ait des gens qui parlent sans aucun tampon et qui parlent de choses bien. Et qui du coup disent, moi j'ai aucun intérêt à rien. Je te parle de l'espace pas pour faire la pub de qui que ce soit, pas pour. Je t'en parle parce que moi ça m'a intéressé, donc je te livre ce que j'ai. Euh, T'arrêtes pas à moi, continue à apprendre d'autres choses, n'écoute pas que moi. Mais, mais voilà, c'est très sincère comme démarche quoi. Et le fait de ne pas être payé, etc. Tu sais, donc euh, au fur et à mesure aussi, je me, je me demande sur les. Tu, tu nous en diras peut-être ton avis là-dessus, mais euh, d'être vraiment payé par une institution pour le faire. Faut vraiment avoir des gages, soit de liberté totale, soit faire des bouts institutionnels. Il y en a qui sont super. Enfin, euh, tu vois, filmer les, les, les conférences qui sont faites, euh, l'espace Pierre-Gilles de Gênes, par exemple, là, le, comment le l'espace oui. des sciences de Rennes qui filme ses conférences, qui sont des conférences de chercheurs. Euh, voilà. Qui sont ont des centaines vues, de milliers oui, de vues, qui oui, sont énormément. Hyper vues, qui sont super, qui sont. Euh, c'est bien d'avoir les deux, mais c'est bien d'avoir des gens qui puissent parler de la passion qu'ils ont pour les sciences et pour la connaissance. Voilà. Sans qu'il soit d'un institut ou d'un autre, ou qu'il ait des intérêts avec ça. Parce que le public n'a pas d'intérêt, lui. Euh, voilà. Il se documente parce que c'est de la culture. Parce que, ouais. Un complément, peut-être bah, Pour répondre à, à mon indépendance éditoriale. Euh, moi, j'ai eu vraiment de la chance parce que, en gros, euh, je suis tombé à l'EPFL pas tellement pour ce projet. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec un prof qui était vraiment intéressé par ce projet. Et puis, ça, ça amenait à d'autres profs qui, du coup, ont trouvé ça intéressant. Et du coup, c'est est un peu l'initiative venue de moi. Du coup, bah, c'est mon projet. Et euh, du coup, je, 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 ouais, je, je peux mettre les vidéos en ligne assez librement dès que j'ai l'accord du prof. Euh, on ne passe pas par, une fin, par, par les directeurs et tout ça. Donc, c'est assez, assez facile à faire. Et, euh, et, j, 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 et je, considère, je pense avoir pas mal de liberté euh, dans la manière, euh, avec l'accord du professeur. Euh, donc, euh, donc, ça, ça se passe bien. Et alors, je voulais rajouter autre chose. Je sais plus c'était quoi. On parlait de quoi tout à l'heure <laughs> Bon, ouais. c'est pas, pas grave, on pourrait y revenir. Du coup, alors, il y a une forme de liberté que les institutions <coughs> pourraient laisser, pardon. Mais euh, alors, de quelle manière enfin, Qu'est-ce que les institutions concrètement Alors, de l'argent, ça, on a bien compris. Payer déjà pour les vidéos, c'est euh, déjà ouais. parfait. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus Parce qu'on a parlé d'argent, on a pas parlé de validation. Mais qu'est-ce qu'elles pourraient apporter de plus Il y a quand même des... En termes... De... Alors, un lieu, par exemple, tu nous en as parlé. Un lieu, <laughs> c'est important. Voilà d'autres d'autres choses un, un lieu est plus que ça une programmation euh, des voilà, un réseau euh, différent tout ça il y a plein de choses mais là on dit on parle d'apport c'est assez rigolo parce qu'on parle d'apport dans un sens ou dans l'autre euh, je trouve que enfin qu il y a interaction c'est plus c'est plus vague que qu'apport enfin je pense qu'il y a des choses où euh, faut, faut faut avoir conscience je sais pas si tout le monde a conscience mais que pour un certain nombre de mes collègues que je ne nommerai pas, il euh, y a une angoisse à, à la, 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 la prolifération de, de vidéos de, de, de science sur YouTube. Alors, il y a l'angoisse du ça euh, va raconter n'importe quoi. Il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont là, mais euh, on laisse vraiment n'importe qui raconter n'importe quoi et ça va être la désinformation. Mais il y a aussi l'angoisse du euh, mais euh, tout va se trouver sur internet, les gens ne viendront plus nous voir. Euh, et au-delà, bon, je pense que c'est relativement faux et tout ça, mais c'est pas à prendre à la légère, je pense. C'est-à-dire que euh, oui, il y a des vidéos de qualité. Oui, il y a des gens qui expliquent des trucs très bien. Alors effectivement, ils s'adaptent pas en direct au public qui est en face. Mais enfin, euh, du coup, c'est le public qui s'adapte à la vidéo. Et euh, comme il y a différents degrés de vulgarisation sur Internet, on peut tabler sur le fait que plus ça va aller, plus il y aura des vidéos de qualité sur des sujets variés et avec des, des niveaux euh, variés. Et donc, euh, d'une certaine manière, on est en droit de se poser la question de pourquoi les gens vont venir, continuer à venir au Palais de la découverte ou à d'autres centres de sciences. Et donc, ça veut dire que quand on parle d'interaction, il y a aussi au centre de sciences la, la, la question de euh, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation à faire de l'offre pour euh encore une fois, c'est pas moi qu'il faut convaincre que c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un face à soi qu'une vidéo. Hein. Je, je, généralement, je commence mes exposés en disant Je suis un être humain, pas une vidéo. Vous pouvez me poser des questions et je, et je réponds. Mais euh, c'est euh, contrairement à une vidéo. Mais ah, Si, quand même, il y, y a un peu de médiation. C'est euh... hyper interactif, ah ouais. euh, c'est oui. hyper moderne. Comme euh Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, bon, c'est quand même pas complètement pareil. Et je pense que euh, quand on parle d'interaction. Et après, en fait, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on peut bosser ensemble aussi pour, euh, pour réfléchir à ça. C'est-à-dire que dans les évolutions que peuvent avoir les centres de sciences, euh, les, les gens qui font des trucs sur Internet peuvent être hyper moteurs et être partenaires sur ce genre de choses. Moi, un des trucs qui me paraît évident, c'est que les centres de sciences doivent développer de l'événementiel doivent développer des, des, des trucs. Euh, le Palais de la découverte, on a un côté très. Euh, alors. Là encore, il y a plusieurs façons de le formuler. Il y a des gens qui vont dire qu'on est poussiéreux et académique. Il y en a qui vont dire qu'on est sur les sciences fondamentales et qu'on a une certaine exigence. Euh, bon, bref. Euh, en tout cas, ce, que, ce qui est clair, c'est qu'on est, on est, euh, est tous, on est par discipline. Et ça, c'est un truc auquel on tient énormément. Je suis médiateur en maths, il faut certainement pas me demander de parler d'une autre science. Euh, et et on, on tient à ça. On tient à une, une certaine, euh, à aller un peu loin dans un sujet, à avoir une certaine, euh, à voilà, être un peu carré. On n'est pas au point des, des, des chercheurs qui sont complètement euh, euh, qui, qui sont incapables de dire un mot à côté de ce qu'ils sont complètement sûrs de, 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 réponse, vrai, de euh, réponse. ça on est, on, est, on, est, on est un peu dans l'intermédiaire, mais disons que par rapport à beaucoup de centres de sciences où les médiateurs sont amenés à parler de plein de sujets, euh, de, de, de disciplines variées, on, on est un peu plus sur de... Non, non, mais nous, on, voilà, une heure sur un sujet que de maths, ça nous fait pas peur, on y va, quoi, on, est, on est là pour ça. Et je pense que euh, c'est très bien, c'est une spécificité qu'il faut conserver. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses à faire beaucoup plus légères et avec un contenu beaucoup plus léger, avec un événement qui pète, avec une star entre guillemets d'internet qui est là en tête d'affiche, des choses comme ça, avec des petites expériences très courtes qui donnent peu de contenu mais qui font venir les gens qui sont marrantes etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une évolution qui est pas liée que à ça, mais qui est liée entre autres à toute cette explosion de contenu. Sur Internet, parce qu'objectivement, je suis un prof, je suis quelqu'un de passionné par les sciences, et j'ai le choix entre me renseigner sur un sujet en restant chez moi devant mon ordi ou en allant euh, m'emmerder me, à, à prendre des transports en commun euh, si je suis loin, machin, tout ça, pour aller jusque dans un centre de sciences. Bon, bah, faut vraiment réfléchir. Donc, je pense qu'il y a effectivement euh, le, le rapport direct, etc., que les institutions peuvent amener aux vidéastes. Parce que ça, ça peut être hyper frustrant pour quelqu'un qui ne fait que des vidéos de jamais voir son public. Donc il y a des événements qui sont organisés, etc. Mais finalement, ça peut être dans des centres de sciences parce qu'il y a un public naturel pour ça. Euh, les, les, les vidéastes peuvent venir faire de l'événementiel pour le, le centre de sciences qui fait venir des gens qui, du coup, va aller regarder l'offre habituelle qui est toujours importante, qui est toujours bien. Mais voilà, euh, dans, dans, les, dans les trucs comme ça. Voilà. Euh, et je pense que, par exemple, un centre de sciences, au, au palais, on revendique aussi l'aspect complètement, pour ceux qui sont déjà venus, euh, c'est l'effet le, d'une histoire un peu euh, chaotique, mais il se trouve qu'on euh, a essayé vaguement des trucs euh, thématiques, quoi. Mais, enfin, c'est un peu le bazar euh, le Palais des découvertes. Il, y a, il y a, notamment au milieu, en plein milieu de la salle de maths, il y, a, il y a une salle de bio et une salle de chimie qui sont démantelées avant 2001 dernier délai. Et euh, bon, bah, donc du coup, ça veut dire qu'entre les maths et les maths, on passe par de la bio et par de la chimie. Donc c'est complètement n'importe quoi. Et en même temps, bah, peut-être que peut que si on réfléchit à un plan futur du Palais des découvertes, c'est pas idiot, parce que justement, ça serait un endroit. Où on va pour être surpris et pour entendre parler d'autres choses que ce qui a priori nous intéresse. Pour prendre un exemple que je connais bien, genre moi, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et encore maintenant, ma tendance naturelle, c'est que sciences, les maths, ça m'intéresse, mais le reste, je m'en fous un peu. Je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais euh, j'ai plein d'autres trucs qui m'intéressent avant les sciences. Euh, il voilà, y a les maths, ça part. Et voilà. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé. Ça m'est arrivé déjà régulièrement de me retrouver à un endroit, d'entendre parler d'un truc. Et puis que je réalise au bout d'un moment que c'était clairement complètement de la physique qu'on était en train de me raconter, que je m'étais fait avoir parce qu'à la base, ça ressemblait à des maths et j'étais allé voir. Et puis bim, non, non en fait, quand en fait quand On va parler de, de biologie. Euh... Et alors, biologie, non, si, biologie, il y a plein de trucs qui m'ont passionné aussi. Mais je veux dire, euh, bon, je prends mon exemple, c'est. On, on peut y aller pour une raison et du coup, le centre de science, ça peut être le truc où on se laisse surprendre où on est attiré par un événement, ou alors on est attiré par... Et qu'est-ce que ça veut dire pour le centre de sciences de s'organiser avec toute cette offre qui fleurit sur Internet, avec tout ça Ça peut être faire découvrir autre chose que ce qu'on était venu voir, ça peut être approfondir des trucs qu'on a vus sur Internet. Garder un espace vide aussi un, une, dans sa programmation qui pourrait être euh, pris en main par euh, d'autres gens, voilà, gens Je ne sais pas, il y a, y a plein de choses à imaginer, mais en tout cas, je pense que euh, ça oblige les centres de sciences à se remettre en question, et ça, je pense que c'est une très bonne chose, et à voir comment on s'adapte. Euh, moi j'aimerais rebondir sur deux, trois petites choses. Déjà le, le fait que bah, moi je me définis vraiment différemment que toi, toi tu es médiateur en maths, pour moi je suis médiateur culturel. Donc je peux parler de maths, de biologie, d'art contemporain, de design, n'importe quoi. En fait à partir du moment où tu me donnes un sujet, certes si c'est de la microbio, c'est ça que j'ai étudié, je n'ai pas besoin de trop bosser. Si on me demande de faire du design, j'ai déjà fait un mois de médiateur design, j'ai passé 80 heures à préparer mes animations avant parce que bah, j'y connaissais rien. Mais pour moi les médiateurs culturels ont avant tout une compétence de pouvoir parler d'un sujet, le bouffer, le, le digérer et le et leur cracher Donc ça, c'est plus ma vision perso et comment je me considère. C'est pour donner un petit peu euh, une différente un vision. Un digestif. Oh, voilà, voilà. j'ai un tube digestif, <laughs> et ouais. exactement. <laughs> euh, et sur le, 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 le fait que les, la, la crainte de, de certains de tes collègues de se voir les, les musées se vider à cause des vidéos. Euh, déjà, je pense qu'en partie, on touche pas les mêmes publics. Euh, donc, forcément, les personnes qui regardent les vidéos font. aller pas forcément au musée à la base. Pas certaines, oui. Certain... Non, non, mais je donne pour. Pas pour toi, mais juste pour. En général, vu qu'il y a eu la crainte qui a été mise en avant, euh, plus ma réflexion par rapport à ça. Donc, je pense déjà, ça touche des personnes qui ne vont pas au musée ça leur donnerait peut-être envie d'y aller. Et une deuxième chose, je pense, c'est que le même, euh, la même crainte par rapport au téléchargement, on se dit, oh mon Dieu, on peut télécharger des films sur Internet, on va pas aller au cinéma. 2016, c'était, je crois, une meilleure année depuis je ne sais pas combien de temps pour les places de cinéma. Je pense c'est plus l'inverse, en fin de compte. On parle de, de, de ce média-là, les gens qui y allaient déjà continueront à y aller, et les gens qui n'y allaient pas iront peut-être parce qu'ils découvriront ce, 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 cette culture scientifique. Ils se disent ah ben bah, non c'est pas pour moi. Et de chez eux ils ont vu ah bah si en fait ça m'intéresse. Donc bah, je vais peut-être aller voir une expo euh, sur je sais quoi. Et euh, c'est peut-être un plus. Voilà. Et puis c'est le même la même chose. Déjà on peut tout trouver dans les livres. Alors pourquoi Et des livres pour tout le monde. Il y a des livres. De... On peut trouver. Beau... On peut pas tout trouver dans les vidéos. Non, non plus, tu ouais. trouves pas. En fait c'est ça. Je pense que c'est le point en fait par rapport à ce que vous avez tous dit. En fait l'essentiel la... tu le trouves pas dans les livres. Quand je prends un bouquin de science, en fait, je pense que tout savoir est un savoir incarné, c'est-à-dire que si tu discutes avec n'importe quel chercheur de n'importe quel sujet tu vas voir que chaque personne le conceptualise différemment. Est-ce qui est important Est-ce que je vois dans des rencontres entre public et chercheur, plus que le savoir, moi je peux aller, je peux parler de relativité générale, il y en a, on est 50 à pouvoir le faire, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est de ma relation personnelle à la relativité générale. Pourquoi ces idées ont fait sens pour moi un moment dans ma vie D'ailleurs, c'était un jour, hein, je suis passé au palais, j'ai acheté un bouquin d'un type qui s'appelait Einstein que je ne connaissais pas. <laughs> il, y a, il y a des années de ça, j'étais au lycée, j'ai rien compris et pourquoi tu fais ça Donc, qu'est-ce qu'il y a un moment dans ta vie fait que tu vas décider de te mettre sur un sujet et tu vas travailler pendant des années qu'est-ce que quels vont être tes doutes Quelles vont être tes joies par rapport à ça parce que finalement aussi on veut parler pas simplement du, du savoir mais de l'acte de recherche de cet acte qui est un acte un peu comme un artiste où tu vas avoir des moments d'euphorie et des moments de déprime totale parce que tu comprends plus rien parce qu'il y a de la compétition et en fait les gens sont intéressés par ça et ça à part quelques chercheurs qui racontent des choses plus personnelles dans certains ouvrages les gens n'en parlent pas beaucoup le savoir qui sort est un savoir qui est complètement déshumanisé, où les articles de science sont en format personnel, où on ne sait pas pourquoi on s'est intéressé à ça. Et quand tu parles avec des collègues, tout le monde va te dire, mais moi, il y avait des références poétiques, il y avait des références littéraires, de science-fiction, de tout ça. Et après, c'est tout ça qui m'a amené à faire une réflexion et à la transformer en un objet de science, c'est-à-dire à prendre une méthode qu'on appelle la méthode scientifique pour créer un savoir. Que dont tout le monde peut parler et ça je pense que tu le trouves pas dans les livres et qu'il n'y a que les gens qui ont fait ce chemin qui peuvent en parler et c'est la, la grande différence entre parler du savoir et parler de cette aventure qui est celle de faire de la recherche et je pense que c'est là où on est, on, on est complémentaire c'est à dire tu peux faire un sujet et si tu trouves la personne qui va te raconter comment il a fait c'est juste génial dans notre film sur Einstein on avait Penrose que je connais depuis, euh, depuis 20 ans il m'en avait jamais parlé, on avait discuté. Et je lui ai demandé un truc, mais comment tu as eu l'idée de ce théorème Et on traverse la rue. Il me dit, ah, mais c'est ce jour-là, je traversais la rue avec je ne sais plus qui. Il dit, au moment, j'étais d'un côté, de l'autre côté. Il me dit, c'est là que j'ai compris l'horizon, c'est en traversant la rue. Et en fait, on filmait ça. Et c'est juste un moment magique parce qu'en fait, il n'y avait pas pensé. Et à un moment, c'est sorti. Et il te donne, mais de comme ça. Le moment où en fait les choses ont basculé et en fait comment à partir de cette idée qui lui est passée comme ça alors qu'il avait une discussion en traversant une rue il est remonté il a écrit deux trois trucs sur son tableau et que ça, ça a lancé une, un travail de recherche qui a pris plusieurs années pour être abouti à arriver à un théorème qui est fondamental et ça ça manque et si quand je vois le, le succès du livre de Cédric par exemple c'est c'est vraiment ça il raconte pas simplement un savoir de mathématiques mais sa relation de lui aux mathématiques et ça, je pense qu'il faut avoir vécu la discipline vraiment comme un artiste vit son art, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Donc en espérant des vidéos, de rencontres, d'interviews. On va juste peut-être prendre quelques questions parce que le... ça, ça tourne. Si vous avez des questions, peut-être, je sais pas qui fait passer le micro. Euh, bon, bah, s'il y a personne qui pose une question, je vais <laughs> continuer à parler. <laughs> Euh, non, euh, bah, pour revenir, euh, à, je pense que ce qui est très intéressant, ce que j'essaie de, de mettre en avant dans ce que je travaille avec le PFL, c'est essayer de, 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 de faire parler les, pro, les professeurs de manière informelle, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui passent de manière informelle, qui ne passent pas lorsqu'on formalise trop les choses, comme on fait souvent dans, dans les livres de cours et des choses dans le genre. Et euh, lorsqu'on a des discussions informelles, il va souvent y avoir beaucoup d'hésitations, et euh, c'est là aussi qu'ils vont partager, euh, ils vont dire « ah non, ça, j'ai pas envie d'en parler ». Et je trouve qu'à chaque fois qu'il s'arrête de parler, en fait, c'est une information euh, très intéressante quoi, qui est jamais mise en avant, parce qu'on va toujours vouloir couper euh, ce que les gens euh, savent pas, parce qu'ils sont mal vus après. Mais le fait qu'un chercheur dise qu'il ne sache pas, c'est une preuve d'une réserve sans doute euh, intelligente ou euh, réfléchie sur un sujet qui est euh, difficile. Et il ne faut pas conclure, quoi. Il y a la recherche à faire. Et donc euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à passer le micro. <laughs> Et juste pour réagir très rapidement à ce que tu disais, je trouve que c'est particulièrement important pour les maths, ou de donner l'impression, une fois que tu as compris un truc en maths, il est évident, il est limpidissime, il s'impose à toi avec une force absolument incroyable. Et du coup, de donner l'impression tout le temps aux gens que tu n'as pas fait de chemin pour arriver à avoir cette idée-là dans ta tête. Euh, et que du coup tu comprends pas et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont senti la violence des mathématiques comme ça parce qu'on t'a expliqué un truc qui était évident et on te l'a réexpliqué on te l'a réexpliqué et toi tu avais toujours pas visualisé le truc t'avais toujours pas compris et, et, on, et tu te sens vraiment incroyablement bête quand la personne à côté a l'impression de voilà, qu'il n'y que, que a pas eu de chemin pour arriver à cette, à cette connaissance-là. Et, et, et que lui n'a plus aucun doute, en plus. Et, et la plupart du temps, sur les mathématiques, c'est vrai qu'une fois que tu as compris un truc, tu n'as plus aucun doute sur le, sur le truc. Alors que beaucoup, dans beaucoup d'autres disciplines scientifiques, même si tu as compris un petit bout, il reste plein de bouts que tu n'as pas compris. Donc, en mathématiques, c'est un peu différent, mais justement, je trouve ça hyper important de réussir à, à montrer le doute, la labeur ou... du truc. C'est dans le storytelling, alors on va en parler juste après, ça tombe bien, mais justement, réussir à montrer euh, les moments... Euh, creux les moments où on reste euh, bête justement qu'on soit enfant ou chercheur les moments où on doute et, euh, et ça on a les, pas les lenteurs euh, de compréhension des mathématiciens les, les mathématiciens sont des esprits extrêmement lents en fait pour, mais ça pour comprendre le coup, profondément ça les trucs du... il y aller très lentement en fait ça il y en a, y a qui vont très vite y mais non mais ça ça, ça ça on parle des, des chercheurs pour le ce c'est pas institution pas institution parce que le palais des découvertes on passe son temps à raconter des histoires comme ça mais je rebondais là-dessus parce que bon. ça dépend d'un tout trop, petit peu. Ouais, en deux phrases, <laughs> c'est que je crois que c'est la chose la plus importante à faire passer aux jeunes. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous apprend des savoirs et on vous montre des savoirs. Je crois que faire de la recherche, c'est d'abord apprendre à gérer son ignorance. Parce qu'en fait, comme tu le dis, il y a les choses qu'on a comprises qui sont dans les livres. Et finalement, on travaille, on les comprend, donc elles sont finalement évidentes. Et il y a l'autre côté celles qu'on ne comprend pas. Et là, on se sent complètement idiot. Et en fait, notre travail, on est sur cette petite frontière entre ce qui est compris et l'ignorance. Et c'est très inconfortable. En fait, on est toujours dans une période où on est énormément dans le doute. En fait, bien sûr, quand on va vers l'extérieur et qu'on qu fait une conférence, on vous parle des choses qu'on a comprises et on, on essaie de faire des choses le plus lumineuses possible, si possible claires, bon, ça c'est difficile. Mais on ne montre pas ces failles-là. Et alors que dans la vraie vie, les, dans, dans les bureaux, c'est beaucoup de failles, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de gens qui sont, euh, euh, voilà, sont perdus. Et ça, on ne le montre pas. Et, et c'est ça l'humain. Et c'est vrai que pour attirer des gens à faire ces disciplines-là, il faut avoir compris ça, et il faut casser le mythe des ténèbres de l'ignorance versus la lumière de la connaissance. On vit encore là-dessus, ça c'est Platon, et on a encore quelques siècles avant de casser ça. Et si on casse pas ça, on va pas attirer des gens pour faire de la recherche. La question, s'il vous plaît. Pas vu. Oui, moi, c'est en lien avec le montage financier lié à des collaborations. Entre des institutions et des vidéastes, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi potentiellement dans ces collaborations, c'est que les institutions elles sont déjà au contact de partenaires financiers potentiels. Donc, bien sûr, il y a les collectivités locales, mais il y a toute une série d'autres acteurs aussi nationaux de financement de projets culturels voire européens qui peuvent être sollicités sur des projets innovants. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie question d'innovation et d'émulation qui est liée à cette émergence de la vidéo de science sur Internet et j'aimerais juste vous poser la question aux intervenants au niveau de, de vos expériences vos idées, de la manière dont euh, il peut y avoir du montage financier en amont, de la réflexion du vrai montage de projet qui va donner lieu à, 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 des, à des demandes hein, de, de financement, mais est-ce que c'est des, des choses sur lesquelles vous vous avez travaillé, sur lesquelles vous avez des, des, des idées, parce que je pense que la solution elle se trouve aussi ici, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles, mais dans la professionnalisation dans la collaboration euh, il, il va falloir aller les chercher, c'est pour les mettre à la disposition, pas seulement des grosses expos, des choses très, très coûteuses qu'on fait depuis 20 ans, mais vraiment d'une scène émergente qui a un impact qui est loin d'être négligeable. Euh, alors je, je, peux, je peux parler des quelques expériences. Du coup, euh, d'être ajouté dans une expo qui existe déjà, euh, ils font appel à des prestataires de production d'audiovisuel ou d'interface. Voilà. Euh, du coup, faire appel à nous, c'est. C'est assez naturel. Quoi. Et, et généralement, c'est beaucoup moins cher que, que beaucoup. Donc, du coup, euh, c'est assez facilement euh, faisable. Euh, Ce n'est pas forcément des commandes. Ça peut être prendre des vidéos qui existent déjà et les prendre et les mettre dans l'espace d'exposition parce qu'on trouve que c'est pertinent à cet endroit-là. Et... Donc, ça, je pense que dans le montage financier, c'est assez simple à, à mettre en, fait, en place. Ce n'est pas du montage financier, c'est de la prestation. C'est de la prestation. Quand je parle de, de... Ouais. Je parle de montage de financier, c'est vraiment. Tu rencontres un CCSTI, vous réfléchissez à un projet. Par exemple, là, il y, y a pas mal de choses extrêmement intéressantes qu'on a eu dans cette conversation, euh, des, des idées de projets qu'on pourrait développer, généraliser, etc. Et on se dit, faudrait qu'on fasse ça ensemble. Et là, ouais. l'institution, elle sait, elle a des financements, donc elle va les chercher. Et derrière, tout le monde est financé, puis on fait un truc qui a du sens. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans les institutions. Ouais. Alors, l'autre ouais, exemple du coup qui est exactement comme ça, c'est le, avec le service de com de l'université qui faisait des, des petites vidéos de l'université de Nantes qu'ils aient des petites vidéos un peu institutionnelles, de petites interviews de chercheurs. Ils étaient arrivés au bout de ce cycle-là, du coup, ils ont décidé de l'arrêter. Euh, et moi et une autre personne du labo des savoirs, donc euh, l'émission de vulgarisation euh, radio euh, à laquelle je participe, euh, on leur a proposé un format de vidéo où on est euh, tous les deux à une table en train de discuter, en train de manger, et euh, on digresse au fur et à mesure sur des sujets scientifiques. Euh, voilà. Et on a vraiment euh, co-construit le truc ensemble avec le service de com. Euh, et eux, c'était euh, voilà, ils ont remplacé un petit programme institutionnel qu'ils avaient. Par euh, ce programme-là, euh, voilà, ils nous connaissaient un peu et tout ça, donc, euh, et, et hyper ouvert et tout ça, vraiment avec ce travail d'écriture, vraiment avec une envie d'aller vers, euh, vers YouTube, avec une envie même de faire vraiment du YouTube où nous on les a retenus un peu, ou voilà, en leur disant c'est pas la peine de, de forcément faire. Euh, ils voulaient nous faire du bloqué un peu, des trucs, voilà, des, 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 des trucs très designés pour forcément les plus jeunes. Euh, donc c'est, on est en conseil plutôt et en co-construction euh, avec eux. Là, c'était vraiment remplacement d'un truc institutionnel par un truc euh, voilà produit comme ça. Après, pour des plus gros euh, recherches de financement, des plus gros projets et des choses plus chroniques, je pense que l'exemple de Balade mentale est peut-être plus parlant. Peut-être qu'un travail autour de, enfin, je me permets du coup d'en de, parler parce que ce que donc euh, la Rotonde travaille sur euh, un projet, enfin même pas un projet d'ailleurs, c'est déjà en place un studio. Et à la Casmat, on travaille aussi sur le... un projet équivalent, un studio Lab. L'idée étant que là, il y a un montage financier dans les deux cas avec plusieurs acteurs. Et donc, la réflexion sur le territoire est intéressante parce que, dans le cadre donc, de Saint-Etienne, et tu nous en parleras, mais il y a l'école des mines et la Rotonde qui en fait partie. Et j'imagine plein de partenaires autour, euh, qui gravitent autour du centre de sciences, qui sont historiques. Nous, de notre côté, c'est pareil on a une réflexion au niveau de la métropole grenobloise et de potentiellement donner des outils pour. Euh, Permettre à des jeunes qui ne seraient pas encore youtubeurs, qui voudraient s'équiper, qui voudraient venir, de travailler chez nous. Ça pourrait s'associer à de la programmation plus classique, de, des ateliers ou autres. On a par exemple une médiatrice qui maîtrise le, le format vidéo, qui pourrait euh, accompagner. Faire des résidences aussi, tu as parlé. Donc, tous ces projets-là, je pense, ça nécessite, oui, un montage financier, mais ça nécessite du coup que nos directions, à nous, soient un peu au courant de tout ça. Donc, ça nécessite souvent une veille de la part des chefs de projet qui font remonter ça à la direction pour montrer que, oui, c'est intéressant d'avoir des vidéastes et ce n'est pas juste des igotos qui débarquent et qui font une vidéo euh, drôle un moment et qui s'en vont. Et qu'il faut payer juste one shot, c'est leur montrer que c'est sur le long terme. Alors on n'aura pas le temps d'en parler là, mais c'est vrai que vous étiez plusieurs à me parler de aussi euh, qu'est-ce qu'un vidéaste peut apporter sur le long terme à une ou plusieurs institutions. Euh, et là, je pense que les, les formats résidence, les formats studio euh, peuvent apporter des, des choses intéressantes. Mais effectivement, ça demande souvent, chez nous en tout cas, enfin chez vous, chez nous, il y a eu euh, euh, du financement pour vous pour isoler euh, une salle, pour pouvoir, enfin euh, du matériel aussi. Nous, on est dans ces réflexions là. Donc euh, peut-être qu'on pourra poursuivre la discussion un peu après avec d'autres acteurs pour, euh, sur ces questions, de s'équiper. On ne on parle plus uniquement de science. On va, il faut que nos institutions, je pense, aillent vers le numérique, vers, la, vers les formats, vers, et pas uniquement du côté de, des disciplines. Alors là, je parle vraiment des centres de science ou des lieux euh, culturels, peut-être un petit peu moins les labos euh, qui, bah, voilà, qui ont d'autres choses à faire, hein, plutôt produire de la connaissance. Mais, euh... Je ne sais pas si tu voulais rajouter sur votre studio, peut-être. Euh, bon bah, sur studio, tu en as dit beaucoup. L'idée, c'est que c'est un lieu qui a été, euh, qui à la base était un lieu de stockage, qui a été réhabilité en studio, en studio de tournage. Donc, il y a eu l'isolation, la peinture, le matériel, les projecteurs, etc. Et qui est mis à disposition, euh, bah, qui nous est mis à disposition gratuitement depuis maintenant. 8-10 mois, quelque chose comme ça. Et ce qui va continuer à être à disposition avec le matériel. Mais vous êtes avec des étudiants de l'école des mines aussi, c'est ça qui est Alors intéressant Alors le lieu et est des, partagé des, des avec heures. des étudiants de l'école des mines. Et l'objectif, au final, c'est aussi d'essayer de, de l'ouvrir. En fait, en gros, c'est aussi un test de le faire avec nous. La Rotonde nous connaît. Théo a travaillé il finit fini tout juste son contrat, comme il disait hier. Moi, j'ai travaillé là-bas 5 ans. Donc, c'était un test, en fin de compte. C'était voir comment ça pouvait fonctionner, comment ça pouvait tourner. Euh, quel besoin il y a d'accompagnement aussi. Est-ce qu'il y a besoin de mettre quelqu'un qui, qui accompagne euh, les personnes qui vont l'utiliser, etc. Et l'idée, plus tard, bah, c'est de l'ouvrir en résidence et de l'ouvrir aussi à d'autres personnes. Euh, là, c'est déjà ouvert les, aux étudiants de l'école des mines. Et ensuite, d'essayer de l'ouvrir encore plus largement, je pense, euh, dans, les, euh, dans les années qui viennent. Et ce que je... Ce que je te disais aussi quand on préparait, c'est que moi ça me fait beaucoup penser au Fab Lab, euh, qui a cinq ans, euh, le, les imprimantes 3D, c'était un geek qu'il avait chez lui. Euh, Appelé geek, euh, qui, qui est passionné d'imprimante 3D et que euh, tout le monde disait ouais c'est bizarre et puis on parlait de ça etc et maintenant il y a plein de plein vous avez un FabLab il y a plein de Fab lab qui poussent un peu de partout et euh, il y a qui, le qui le font numérique venir voilà les ici, ouais, le numérique ici euh, qui font venir aussi d'autres publics c'était ça aussi de, l'idée des FabLabs c'est que ça parle à des gens qui venaient pas forcément dans les lieux de science et là qui viennent pour utiliser des machines et qui en fin de compte peuvent passer euh, aussi euh, voir les expos qui est à côté euh, et, euh, et donc moi, ça me fait beaucoup penser à ça et ça, ça se produit à peu près de la même façon, les, les lieux de résidence qui s'ouvrent, etc. Et le niveau d'implication des publics qui viennent pour faire ça, pour euh, faire un, un Fab Lab ou même des publics qui viendraient pour réaliser des vidéos euh, Parce que je trouve que le, le plus gros phénomène de, des vidéos sur Internet, ce n'est pas tellement le public que ça génère, parce que le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, il y a énormément de gens qui viennent ici. Pas la, la, la vulgarisation n'a pas commencé du tout euh, sur Internet. Il y avait déjà. Énormément de gens qui, qui consommaient ça. Science et vie, c'est l'avenir voilà, pour la science. Euh, il il doit y avoir au moins 5 ou 6 émissions de vulgarisation scientifique sur. Euh euh, sur la ra en radio et en... donc c est, c est, ça n'a pas commencé du tout avec Internet et ce sera pas du tout la fin avec Internet. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde, se... enfin n'importe qui, peut se mettre à devenir producteur de contenu scientifique et qu'il y a vraiment une diversité incroyable de gens qui le font et que le vrai phénomène, c'est du pire tout pire, c'est d'arriver à ce truc-là où on se documente soi-même et on partage sa, sa passion, peu importe ce qu'elle est, même si c'est un truc microscopique. Euh, L'implication qu'on a avec la connaissance, on, on la prend, on la mâche assez longtemps pour la partager avec des gens et euh, faire partie de, de, de communautés comme ça, de partage de connaissances. Et c'est ce phénomène-là qui est le... Euh, moi je me dis, plus il y aura de chaînes euh, qui font des vidéos, euh, même si elles ne sont pas tellement vues, même si c'est des petits publics et tout ça, euh, plus il y aura de dynamisme et d'implication dans, 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 dans cette démarche d'acquisition de, des connaissances et des savoirs. Et c'est ça qu'il faut, qu faut porter, et peut-être que les institutions peuvent aider à ça, à ce que euh, tous les lycéens, s'ils ont envie de faire leur TPE sous forme de vidéo, et ben ils peuvent aller dans un Media Lab et faire une vidéo, et ils feront leur TPE, mais peut-être que d'autres gens le verront plus tard et que du coup euh, voilà la connaissance ils vont vraiment pouvoir la partager avec plein de gens et de la connaissance prend plus de sens quand on sait quoi en faire et de pouvoir en parta la partager c'est un bon moyen de voilà. on, on va peut-être en rester là parce que on a vraiment plus le temps mais euh, ouais, vraiment moi ouais, non c'est bon <laughs> Dernier. Non, c'est juste, juste une phrase, c'est juste une citation, parce qu'en fait c'est tout à ah, fait parfait. beau ce que tu dis, c'est que par les temps qui courent de développement durable, on sait que la connaissance, c'est la seule matière première qui augmente quand on la partage. Et donc plus on, elle appartient à personne, on la partage, et plus il y en a, mieux c'est. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Et On continue à répondre à vos questions si vous voulez plus tard.